Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, assez inédite pour le coup, parce qu'aujourd'hui je vais vous faire découvrir les enchères professionnelles au Japon. Vous avez pu voir quelques photos sur Facebook ou des réseaux sociaux où on voit pas mal de photos justement sur ces événements intra-professionnels. Bah écoutez, j'ai eu l'occasion donc de participer à ces enchères grâce à mon sensei, Monsieur Tanibata. Et j'en ai profité donc pour filmer et puis bah pour vous faire avec Fabrice une petite vidéo justement sur ce procédé. Ça vous permettra de découvrir un petit peu comment ça se passe, comment est l'organisation, l'ambiance qu'il y a, parce que c'est assez convivial. Donc bah écoutez, je vous invite à découvrir la vidéo et n'hésitez pas à liker, partager si cela vous plaît et diffuser autour de vous. Beaucoup de vendeurs. Oh, hello! Good morning! Good morning! Good morning! King Gaku! En fait, c'est Takayuki Fukushima. On a été le voir. See you! On a été le voir le premier après-midi où on a atterri après l'aéroport à côté de Narita. Et en fait, bah, il est là aujourd'hui aussi aux enchères. Donc, Takayuki vient de Saitama. Saitama, ça lui fait plus de 6 heures de route. Donc là, on patiente en fait. On est obligé d'attendre. On attend notre tour pour rentrer les véhicules et décharger. Les enchères commencent avec les pots. Il fait une présentation et remercie tout le monde de leur présence. L'enchère n'a pas trouvé preneur. ¿5000 yenes pour les 4 pots. L'enchère n'a pas trouvé preneur. ¿12000 yenes pour les 2 Ah, une enchère qui monte à juger. Je vais vous montrer une autre enchère là qui arrive avec un chimpaku de folie quoi. Là à mon avis les prix ça va s'envoler. Chimpaku de fou. Prix de base 200 000. Voilà, l'enchère est finie pour cette arme.
il a trouvé preneur. Après, il est pris en charge par deux personnes avec un numéro qui le ramène directement à la camionnette de l'acheteur en fait. Donc au fur et à mesure, tout est remis vers les camions pour le rechargement, le tri et le paiement. Donc c'est vraiment une organisation japonaise de fou. Allez, on se retrouve plus tard pour une autre enchère intéressante. Une enchère sur un KED qui vient de Aishien. Là, il y a des grands arbres qui arrivent. Là, il va y avoir une série de Chimpaku Yamadori en vente. C'est incroyable. Franchement, il y en a un des trois. Celui qui est au bout, là, le troisième. Magnifique. Il se déplace même pas pour regarder les arbres. Il y a vraiment un marché en Chine qui est incroyable. Il ne regarde même pas s'il y a des branches de partout et tout. C'est vraiment. これも30。
300 milliards. Fabio. No. Ah, これが20 Sugoi. Ah, front is best here. Front. Okay. Now. Là, on est sur une enchère qui est super tendue. Hein. Là, on est vraiment sur une enchère. Non. Ok. Congratulations. In my opinion, one of the best three here. Maybe the best. Because it's original. Yeah, really, really expensive, but it's original. I don't know if you like it. Yeah, it's a nice tree, yeah. Change the angle a little. Looks more nice from this side, but it looks like it's fallen over. I see. Les deux messieurs sont des acheteurs chinois. Il est 18h, c'est la fin des enchères. Donc bilan de cette opération, je pense qu'il y a eu plus de 2000 arbres qui se sont vendus, ça c'est sûr et certain. Et puis là, ils sont en train de charger les camions, donc je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, un petit peu. Tous ces arbres qui sont dehors sont des arbres qui vont être chargés dans les camions. Tout le monde est là pour donner la main. C'est en train de manœuvrer, ça se joue serré. Il y a des gros camions qui attendent pour charger tout ce que les Chinois ont acheté. Moi je suis assez partagé sur ce qu'ils achètent en fait. Ils achètent tout et rien. De la belle qualité. À plusieurs milliers d'euros comme à des choses de très mauvaise qualité, mais bon, c'est comme ça. A priori ils ont un marché, tant mieux pour eux quoi. Mais en gros, voilà tout ce qui a été acheté par les Chinois quoi. Chargement d'un pain rouge semi-cascade. Ils sont pas très précautionneux avec les arbres hein. Moi, c'est ce qui me déçoit un petit peu des Chinois. J'ai l'impression que finalement, ils achètent ça comme de vulgaire géranium. Donc voilà, donc alors, c'est France. Thanks. Donc c'est un gros acheteur chinois et super jeune, quoi. Donc on est vachement surpris de ça, quoi, parce que ils sont super jeunes et. Franchement, quand on voit le stock qu'ils achètent, c'est tout simplement hallucinant. Donc en fait, quelque part, ces acheteurs-là, ils font un peu du mal à l'économie pour nous, parce qu'en fait, ils achètent un peu tout et à n'importe quel prix. Je les assimilerai un petit peu aux Russes qui viennent chez nous et qui viennent sur la Côte d'Azur et qui payent 3-4 fois le prix de ce que vaut quelque chose en temps normal. Mais malgré tout, un arbre de bonne qualité doit se payer. Moi-même, il y a plusieurs années en arrière, je pensais que tout était entre guillemets bien moins cher au Japon et en fait pas vraiment quoi. Donc écoutez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la page,
mettre un commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.